Pourquoi t'as mis du temps avant d'ouvrir la porte? Je t'ai endormi, désolée. Vraiment. Comme ça, tu dors profondément dès que ton corps touche le lit, hein? Veux-tu parler de quelque chose? Oui. Approche, viens t'asseoir. Si c'est du sexe que tu veux, désolé, tu ne l'auras pas. Oh, bébé. Bébé, ça fait 2 jours maintenant que tu me refuses ton corps. Pourquoi? Si tu veux le savoir, je suis en ovulation en ce moment. Donc, jusqu'à ce que ça finisse. Quoi? T'es en période ovulatoire? Est-ce que c'est pas le bon moment pour nous de faire l'amour alors? Considérant le fait qu'on doit avoir d'autres bébés, je veux dire... Stéphanie a déjà 7 ans et tu sais ce que ça veut dire. Je ne veux pas avoir un autre enfant pour être honnête. Je te demande pardon? C'est pourquoi je ne fais pas l'amour avec toi quand j'ovule. Tu perds la tête ou quoi? Pourquoi tu veux plus d'enfants? Dis-moi. Ce que je viens de dire n'a pas besoin de plus d'explications. Je veux dire, si tu veux avoir plus d'enfants, nous pouvons également en adopter. Quant à moi, je ne tomberai plus enceinte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce qu'on doit adopter des enfants pendant que toi et moi, on est super en santé pour en avoir? Écoute, Sean, je veux aller au lit maintenant, puis-je? Non, non, c'est pas raisonnable, on va le faire. C'est la bonne période de faire l'amour et c'est ce que je vais faire. Ça ne va pas arriver jusqu'après mon ovulation, c'est ce que je dis. Non, on va le faire maintenant, viens. Laisse-moi tranquille! Non mais c'est quoi ça? C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Quelle audacité de sa part. Tu te rends compte? Qu'est-ce que lui prend de suggérer qu'on fasse des adoptions et pourtant, c'est mon foyer et je dois être le chef de la famille. Je suis la tête de cette maison. Elle ne doit pas dire que c'est terminé quand je ne l'ai pas dit. On peut pas juste avoir un enfant et me dire que c'est terminé. Non, sérieux, sérieux? Attends une minute. Donc pendant tout ce temps, j'ai essayé de faire tout pour avoir un autre enfant. C'était pas son intention d'en avoir. Ça ne l'intéresse même pas. Eh ben, ça sera pas possible. On va avoir un autre enfant. Ton déjeuner est servi. Où est Stéphanie? Oh, elle est allée à l'école très tôt ce matin. Ne vas-tu pas manger ton repas? Peux-tu t'imaginer l'ego et l'arrogance de ma femme? La femme que j'ai dotée avec mon propre argent. Elle a le culot de me dire qu'elle ne veut plus avoir d'autres enfants. Attends. Natacha a vraiment dit ça? Je suis pas en train de te raconter des bobards, mec. Ma femme en période ovulatoire m'a refusé de la toucher. Pour la simple raison que... elle ne veut pas tomber enceinte. Je veux dire, elle me l'a dit en face. C'est pas de la folie, ça? Attends. Avant que vous ne vous mariez, t'a-t-elle dit qu'elle ne voulait pas plus d'un enfant? Eh ben, on n'a pas eu cette conversation, mais attends. Si elle savait qu'elle voulait juste avoir un enfant, tout ce qu'elle devrait faire, c'est de me le faire savoir. Bien sûr. Elle aurait dû. Au contraire, elle a dit... si je veux avoir d'autres enfants, je devrais procéder à des adoptions. Tu t'imagines la gravité de la chose? D'une femme qui se fait appeler ma femme. Franja, quelque chose ne tourne pas rond quelque part. Elle veut que je m'y fasse à l'idée d'avoir notre seule fille. Je veux dire, je m'en fiche du sexe, que ce soit un garçon ou une fille, je veux juste avoir mon propre enfant, tu vois. Je veux avoir mes enfants, elle est là à me raconter des sottises. Eh bien, John, tout ce que je peux te dire, c'est de te calmer. Elle va me donner des enfants, hein. J'en aurai d'autres. Oh. Tu dois te calmer, ok? Parce que... je peux bien sûr comprendre que ce soit vraiment hors de toi. Calme-toi. Je suis sûr que tout va s'arranger bientôt, d'accord? Ouais, je vais me calmer. Mais je peux plus me concentrer, là. J'ai la tête en l'air actuellement. Bienvenue à la maison. Tu vas au boulot, tu rentres du boulot, tu restes allongé devant la télévision ou dans ton téléphone. C'est ce que tu fais absolument tous les jours, simplement parce que tu ne vois pas le besoin d'avoir un autre enfant. C'est quoi ton souci exactement? Mon problème, c'est que je veux d'autres enfants. Et tu ne peux pas me dire le nombre que je dois avoir. Je croyais que j'ai été claire la nuit dernière. Si tu veux plus d'enfants, va en adopter. Adopter, tu racontes quoi? J'ai cru t'avoir dit de ne plus prononcer ce mot dans cette maison. Ok, cependant tu veux avoir plus d'enfants. Vas-y et fais-le, je ne serai plus enceinte de toi. Ne me teste pas dans cette maison. Bref, Oche et sa femme viennent pour le dîner. Occupe-toi-en. Pourquoi? Que se passe-t-il? Mais que diable t'arrive-t-il? Depuis que t'es placé là depuis 30 minutes. Oh, je t'en prie, ne m'embête pas. Laisse-moi faire mes choses. Qu'est-ce que tu penses que t'es en train de faire? Hein? Non, dis-moi. Tu mets ceci et puis j'enlève. Oh, tu mets une autre et puis tu enlèves. Tu penses que j'ai toute une éternité à passer ici pour ces inutilités? Oche, si tu ne peux pas m'attendre, s'il te plaît, va-t'en. Laisse-moi porter ce que je veux porter. Qu'est-ce qu'il y a? Alors fais-le sans que je ne perde mon temps. C'est pourquoi je ne sors jamais avec toi. Hé, Oche. Maintenant, tu ne veux plus sortir avec moi? Oui. Ok, si tu ne veux pas sortir avec moi, je ne t'accompagne plus chez ton ami. Vas-y tout seul. N'importe quoi. Bien. C'est toujours pareil. Toujours en train de tout foutre en l'air. Dipul ne voulait pas partir, mais elle perdait mon précieux temps. Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de femme? J'aurais dû le dire, Seigneur. C'est mieux que les gens disent pas inutile ça. Mon pote. Sean, mon gars. Eh ben, dis donc, Oche des goûts. Yo, Sean, you Mr. Kingston. Ouais. Ça va, tu vas bien, je vais bien. Mec, tu m'as dit que tu viendrais avec ta femme. Je ne la vois pas. Où est-ce qu'elle est? Elle était supposée venir, mais elle a commencé à se sentir mal, donc tu lui as demandé de rester. Oh, d'accord. Je suis désolé. J'espère qu'elle prend ses médocs. Oui, elle est. Elle a tenu à s'excuser pour ça. Salut, Oti. Salut, Natacha. Comment tu vas? Je vais bien. Tu n'es pas venue avec elle? Elle a commencé à avoir des maux de tête, donc elle a décidé de rester. Désolée. Désolée, quelqu'un sonne à la porte. Ah, Mona Lisa, tu es là? Oui, merci. Désolée d'être venue un peu en retard. Non, c'est bon. C'est comment les maux de tête? C'est parti? Quoi? Ton mari a dit que t'avais les maux de tête, c'est pour ça que t'es pas venue. Je lui ai dit que j'avais de la migraine et non des maux de tête. Une migraine? Oui, c'était comme si quelqu'un frappait des barres de fer dans ma tête. Désolée, j'espère que le mal de tête est fini et la migraine également. Je me sens mieux maintenant, c'est passé. Bienvenue. Merci. Mona Lisa, bienvenue. Merci. Tout à l'heure, ton mari m'a dit que tu ne seras pas là, que tu es indisposée. Oui, raison pour laquelle j'ai fait tout mon possible pour être ici. Chérie. Oui, bébé. Tu leur as dit que je n'avais que des maux de tête. Pourtant, j'étais tourmentée par la migraine. Pourquoi? J'ai attendu comme si t'avais des maux de tête, alors j'ai été suggéré de rester. T'aurais pas dû venir. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Femme forte. Eh bien, les gars, le repas est servi. Ok, nous sommes invités à dîner. C'est fou, ça. Ah, c'est vraiment très, très délicieux. C'est très bon. Très bon. Très bon. Natacha, je voudrais qu'on discute pendant qu'on mange. Bien sûr. Ok. Sean m'a fait part de ses plaintes et j'ai discuté de ça avec ma femme. C'est pourquoi nous avons décidé de venir pour en parler. Avec vous, en tant que famille amie. Sean a dit que tu ne tomberais plus jamais enceinte de lui. Oui. Lui as-tu suggéré de faire l'adoption? Bien sûr que je l'ai fait. La question est, pourquoi? Rien du tout. Je ne veux juste plus être enceinte. L'enfant que j'ai déjà est assez pour moi. Oh, ferme-la! Natacha, dis-moi, qu'est-ce qui va pas chez toi? Essaies-tu de te moquer de moi? Essaies-tu de te foutre de ma gueule devant toute ma famille? Ton plan ne va pas marcher. Sean, calme-toi, ok? Monsieur Sean, ceci n'est pas censé être une affaire de dispute. S'il vous plaît, n'empirez pas les choses. Natacha, je te connais. T'es vraiment une personne très intelligente. Et ces décisions, tu l'as sûrement prises à cause d'une raison ou des raisons. Parce que tu ne peux pas juste te lever un matin et dire que tu ne voudrais plus donner à ton mari. C'est exactement ce qui s'est passé. Vraiment? Je ne veux plus avoir d'enfant et rien ne va me faire changer d'avis. Natacha, fréquentes-tu une autre personne? Quel genre de question c'est que ça? Natacha. Natacha. Natacha? Monsieur Sean. Je déteste le fait que tu montes trop. Hein? Arrête ça et laisse-moi en dehors de tes mensonges sans fin. De quoi est-ce que tu parles? Prétends ne pas savoir de quoi je parle là. Je n'ai aucune idée de ce que tu es en train de parler, jeune femme. Pourquoi leur avoir dit que j'avais la migraine? Pourquoi? Je n'ai pas dit que tu avais une migraine. Quoi? J'ai dit que tu as des maux de tête. Et maintenant tu prends ça pour une migraine maintenant. Je t'en prie et je t'en prie. La prochaine fois, laisse mon nom en dehors de tes sales mensonges. Peux-tu juste arrêter de m'appeler menteur? J'essaie juste de sauver notre face. Vraiment, tu l'as fait? Écoute, surtout que je n'ai aucun mot de tête. Parce que si jamais cela arrive, tu m'expliqueras à moi et à tous ceux qui m'accompagnent comment tu as invoqué les maux de tête sur moi avec ta sale mensongère bouche. Faut juste arrêter ces insinuations. Tu sais que je l'ai fait pour sauver notre image. Est-ce qu'on a besoin de se quereller tout le temps? Hein? On vient juste de rentrer. Ok, monte-toi dans la chambre, je vais juste te montrer quelque chose. Laisse-moi tranquille. Bébé, arrête. Hein? Asambokoto. Asambokoto. Matomato, jamba. Malitama. Mon sucre d'orge. Laisse-moi tranquille. Viens, allons-y, j'ai quelque chose à te montrer. Maintenant, tu me flattes. Asambokoto. Asambokoto. Assam. Je suis tout fait et tu es ma African Queen. Allons nous coucher, bébé. Laisse-moi tranquille. Tu sais que t'es ma tomate, hein, bébé. N'écris pas trop. Tu vas bien crier quand nous serons dans la chambre, d'accord? Comment peux-tu me demander si je vois un autre homme devant nos invités? Eh bien, t'agis comme si t'en fréquentais un. Comment le fait que je ne veuille plus tomber enceinte veut dire que je te trompe? Eh ben, pourquoi tu ne commences pas par me prouver que t'es encore intéressé par ce mariage? Écoute, Sean, je ne vais plus tomber enceinte de toi. Le plus tôt tu comprendras cela et tu avanceras, le mieux ce sera. Tu dois plaisanter. Tu vas tomber enceinte dans cette maison. Que tu le veuilles ou pas, je suis ton mari et je dirai le nombre d'enfants qu'on aura dans cette maison. T'entends, Natacha? C'est moi qui commande. Merci d'avoir honoré à mon invitation. Natacha, je t'ai appelé ici pour qu'on ait une discussion franche et vraiment sérieuse. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Natacha, tu vois, c'est à propos de ton mari. Tu n'as pas constaté que ton mari perd parfois la tête? Tu sais, je connais John depuis longtemps avant que vous ne vous rencontrez. Et je n'ai jamais, depuis toutes ces années que je connais ton mari, de le voir autant désespéré. De la façon dont il est désespéré parce que tu ne veux plus lui donner d'enfant. Eh bien, j'ai été très claire que cela ne va plus arriver. Natacha, comment tu te sens quand ton mari ne se sent pas bien et que tout le monde te blâme pour ça? Natacha, ton mari va de jour en jour très mal. Comme nous parlons maintenant, il est sûrement en train de stresser dans son bureau. Et très bientôt, j'ai peur que ça ne développe un problème. Parce que sa température augmente de plus en plus. Et si cela arrive, que diras-tu à ta fille quand elle grandira? Que ta décision a fait mourir son père de soucis. Eh bien, je ne souhaite ça à personne, encore moins à mon mari. Natacha, je sais que tu es une bonne personne. Mais tu veux que ceci reste à ta conscience pour toujours? Je pense que je dois te dire la raison pour laquelle je ne veux plus tomber enceinte. Ok, bien. Hey! Eh bien, j'ai fait un peu de lait par moi-même. D'accord. Et j'ai ajouté un peu d'amour à ça. Eh bien, je me demande pourquoi t'en as ajouté du lemon quand tu sais très bien que j'adore les oranges. Chérie, ne me dis pas que tu ne sais pas que le lait c'est un aphrodisiaque et comment ça aide pour la libido. Je suis impatiente d'être enceinte. Maintenant, je comprends mieux. Ok. Essayons. Qu'en penses-tu? Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire. Que veux-tu dire que tu vois? Dis-le. Maintenant, je comprends mieux les fonctionnalités de ton cocktail. C'est assez intéressant. Ok. On se lance. De quoi parle ce film? Eh ben, j'essaye de comprendre le sens du film. Et j'ai presque failli dormir. J'espère que c'est pas ennuyant. Eh ben, c'est quand même intéressant. Tu ris. Bonjour. Salut. T'es pas encore habillé? J'ai cru que t'avais un rendez-vous, un entretien d'embauche aujourd'hui. Oui, c'est pour 11h. Oh, d'accord. Ne vas-tu pas me souhaiter bonne chance? Eh ben, j'ai cru l'avoir fait à l'étage. Si tu ne me souhaites pas bonne chance, tu seras enceinte. Non, je vais pas tomber enceinte. Je vais pas tomber enceinte. Donc tu ne veux pas être le premier à porter la grossesse. En y pensant même. Peut-être que je devrais essayer. Que je devrais tomber enceinte. Tu es fou. Pourrais-je avoir du sucre? Oui, bien sûr. Hi, Natacha. Salut, salut, monsieur Sam. Je vais bien. Ouais. Well, you did very well in the interview and you're actually one of the best interviewers out today. Wow, merci beaucoup, monsieur. Merci. I'm actually on my way going to get lunch. I don't know if you're going to go with me and... Désolé, je n'ai pas faim. Je me dépêche pour la maison pour faire quelque chose. Merci. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. À plus tard. Oh, really? Hey! Bébé! Salut, salut. Comment tu vas, chérie? Quoi? Attends une minute. Tu as ma photo sur le mur de ton bureau? Oui, je l'ai commandée. Bébé, je t'aime. Et je t'aime encore plus, bébé. Alors, dis-moi, chérie, comment ça s'est passé l'entretien? Oublie cet entretien. Je veux que tu me fasses l'amour. Juste ici? Oui, ici. Ici et maintenant? Vraiment. J'adore cette tension. La porte n'est pas fermée. Je fermais la porte. Mon bébé dort encore? Je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens nauséeuse. T'es nausée? Je propose que... on va faire un tour à l'hôpital avant que je n'aille au travail. Je ne pense pas que ce soit aussi sérieux. Voyons, mon ange, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit sérieux avant d'aller à l'hôpital. Ok, j'irai plus tard. Mais je veux juste me détendre. D'accord. Bah, tiens-moi juste au courant, d'accord? Bon, je dois partir. Allô, mon ange. Bébé, c'est arrivé. Quoi comme ça? Je suis enceinte. Quoi? Je sais, je porte ton enfant, je suis allée à l'hôpital me plaindre au docteur. Et alors, il m'a fait des tests qui sont sortis positifs. Oh mon Dieu. Tu sais quoi, je suis à la lune maintenant. Oh mon Dieu. Je suis tellement heureuse pour nous. Moi aussi, mon cœur, on doit célébrer cela. Dis-moi, où est-ce que t'es actuellement? Je viens d'arriver à la maison. Très bien. Je vais juste terminer ce que j'ai à faire maintenant. Tu sais quoi? Je vais abandonner le bureau. Je te rejoins tout de suite, d'accord? Ok. Attends, moi j'arrive, je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi, je t'aime plus. Allô? Mona Lisa, oh oui. Je suis encore au bureau. Et j'ai aussi rentré tôt aujourd'hui, moi et... Sean, nous allons aller nous amuser avec les gars. Je sais. Écoute, voyons, mec. D'accord, je quitterai plus tôt. Disons 10 h. Oh, ok. 9 h. Mais c'est tôt, non? Oui, ok, bien. 8 h 30. C'est bon? Toi aussi. Qu'est-ce que je vais te préparer pour le dîner? Je crois que... Bébé, je t'appelle plus tard, ok? À tout à l'heure. Mais mec, qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? Je dois rentrer tout de suite. Ma femme vient de m'informer qu'elle est enceinte. Tu es sérieux? Ouais, mec. Rejoindre la paternité. J'en fais déjà partie. Je t'ai rejoint maintenant. Écoute, tu dois partir. On s'appelle plus tard. Ok. Mec, pas de problème. Papa. Je suis trop content pour toi, mon frère. Ah, mon frère. Dieu merci. Oh mon Dieu. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bébé, t'es là? Hey! Enfin, t'es là. Je savais que tu allais courir à la maison. Ah, bien sûr. Pour voir ton bébé. J'étais tellement impatient. Bientôt, on va m'appeler papa. Oui. Papa. Tu connais déjà le sexe? Eh bien, je dois dire que je m'attends à tout. Ok. Et au fait, je t'ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que c'est? T'as qu'à l'ouvrir et tu verras de toi-même. Vas-y. Ça, c'est juste un petit cadeau. C'est un cadeau d'être la mère de mon enfant. Une façon de ma part de te remercier. Merci, bébé. Et aussi, je suis impatient de te donner une voiture. Et c'est le cadeau qui t'aidera à mieux pousser. Merci beaucoup. Heureux. Merci. Je t'en prie. Et si je t'aidais à le mettre? Ok. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, cette main. Oh, tu préfères ce bras, n'est-ce pas? Salut. Vas-y, bébé, montre-moi ça. Comme elle te voit, quelle fille. Quelle fille. Je t'aime, bébé. Elle est jolie, mon cœur. Yo, regardez-moi, le plus jeune père, le plus jeune papa de la ville. Je suis en place, le plus jeune papa de l'univers. Du bruit, faites du bruit. Ouais, bébé, regarde ça. Regardez-la. Et déjeuner, servi. Oh, merci, bébé. À quoi je l'air. Beau comme d'habitude. Ouais. Va d'abord manger. Tu vas bien? Oui, je vais bien. C'est très bon. Pas encore. Je peux pas continuer à tolérer ce genre de choses. N'aimes-tu pas la nourriture? C'est hyper délicieux. Je l'aime beaucoup. Merci. Ouais. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? La réunion, elle doit se passer à 8h30 avec un client très important. Je dois partir. Bébé, finis ta nourriture avant de partir. Ah, je peux pas finir, mais j'ai vraiment aimé, c'était bon. On m'attend, je dois partir. Ok. Je m'en vais. S'il te plaît, ne conduis pas vite. D'accord. Fais attention à toi. Oh mon Dieu, Natacha, c'est tellement beau. Je sais, tu peux le redire encore. Ah, c'est beau. Je crache beaucoup ces jours. Oh oui, ce sont des signes de grossesse. Le docteur l'a dit. Il a dit que peut-être après le premier trimestre, ça va réduire. Je sais. Laisse-moi te choquer. Quoi? Sean a promis de m'acheter une voiture pour mon cadeau de poussée. Quoi? Ne suis-je pas chanceuse? Oh mon Dieu, ma chérie, tu es tellement chanceuse. Je peux fermer mes yeux là sur le son et dire que tu es la plus chanceuse de la Terre. Merci. Mon Dieu, quand vais-je rencontrer ma part de Sean? T'inquiète, ton homme va te trouver très bientôt. Et quant à Sean, il peut juste avoir un seul Sean. Hein? Tout autre Sean sera une photocopie. Mais c'est ça. J'ai eu un job. Quoi? J'ai eu le job. Laisse-moi voir. Je suis allée à un entretien d'embauche. Oh, j'ai tellement chanceuse. Célébrons. Santé. Merci. Bébé, je suis assez forte pour travailler. Oui, pour le moment, tu travailles. Mais c'est pas ça le problème. Ce que j'essaye de dire, pour le moment, tu peux mettre une pause. Je veux dire, ça te donnera plus de temps de prendre parfaitement soin de toi et l'enfant. On n'a pas de problème financier aussi, tu sais. Mais bébé, j'ai... Écoute, c'est ta première grossesse, notre premier enfant. D'accord? Tu peux laisser au travail. On va t'en trouver un après que t'aies accouché. Bébé, s'il te plaît. Je t'en prie. Merci. Ok. Très bien. Sais-tu que ma mère était la première à qui j'ai parlé de la grossesse? Qui ne le serait pas. Tu sais, personne de ma famille n'est encore au courant de ça. Pourquoi n'en as-tu pas parlé à ta famille? Tu sais que j'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est que tu n'aimes pas? Oh mon Dieu, pourquoi tu continues de faire ça? Tu sais à quel point je déteste ça, mais tu continues. C'est tellement irritant ça. Tu sais quoi, tu peux avoir tout le lit pour toi, moi je vais chercher où passer la nuit. Putain! Bébé, je suis désolée. This is so irritating. Partout où je vais, elle passe le temps à cracher de haut en bas, elle crache. Elle veut dire quelque chose, elle crache. À peine je veux parler, elle crache. Pendant qu'elle prépare, elle crache partout, elle crache partout. Ah, oh, c'est tellement dégoûtant. Oh. Je suis désolée, je ne savais pas que ces crachats t'irritaient. Bien sûr que ça m'énerve. Tu peux pas trouver un moyen de te contrôler, tu peux pas trouver un moyen de gérer ça, c'est tellement dégoûtant. Je peux même pas vivre confortablement dans ma propre maison. Oh mon Dieu. Le docteur m'a expliqué qu'après le premier trimestre, ça va diminuer. Je vais juste arrêter de le faire près de toi. Je t'ai entendu. Tu peux monter à la chambre maintenant. Ne reviens-tu pas avec moi? Non. Essaies-tu de me faire le petit-déj? Ouais. Eh bah, te dérange pas, je pense pas que je vais manger. Pourquoi? Rien, j'ai juste pas l'appétit, voilà. Ok. Ah, ouais. Très bien. Parmi les signes de grossesse, je crois qu'il y a aussi l'excès d'appétit. Ça vient d'habitude durant le premier trimestre. Donc, ma femme mangeait comme un dragon quand elle était enceinte. Le truc, c'est que j'arrive pas à supporter ça. Ça m'énerve au plus haut point. Ce n'est pas tout le monde qui est confortable voyant tout ce qu'elle fait. Mais mon frère, tu dois juste y faire, hein. C'est juste pour un peu de temps. Y a pas moyen pour que je m'arrime avec. Ça me dégoûte énormément au point où j'ai dit à ma femme de ne pas me faire le petit-déj. Mais voyons, je t'assure, mec. Je dors même pas près d'elle, je dors dans la chambre d'amis. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, mec. Ça m'énerve voir quelqu'un cracher comme ça tout le temps, je peux pas supporter ça, je peux pas. Je suis désolé. John, tu dois être patient avec cette femme. C'est la nature qui l'a fait ainsi, hein? Ce n'est pas de sa faute. Je dis pas que c'est de ta faute. Tout ce que je dis, c'est que... je peux pas supporter ça, c'est tout. Ah! Oh gao! C'est comment? Pourquoi le... Pourquoi? Je te vois, hein? Je vois vraiment que t'avais faim. Je suis désolé, madame. Il n'y a aucun médicament que je peux vous donner contre votre mal. Ah. Mais docteur, qu'est-ce que je fais? Mon mari est vraiment irrité avec cette histoire de crachat. Il n'aime pas ça. Je l'avais jamais vu se plaindre aussi amèrement comme il a fait la nuit dernière. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun médicament pour votre mal. Mais il y a des calmants que vous pouvez prendre. Comme quoi? Comme je l'ai dit avant, vous devez manger moi, mais fréquemment du lait. Brossez vos dents et surtout à pleine eau. Fréquemment. Ok. Prenez une petite quantité d'eau et avalez suffisamment d'eau. Je crois que de cette façon, ça pourra calmer. Ok. Maintenant, mensurer sur ce beau visage. Mais docteur, je ne sais même pas ce que mon corps me fait ces jours. C'est vrai. Alors, comment va, monsieur? Il va bien. Docteur, j'essaie juste de m'habituer à la situation actuelle, mais c'est difficile. C'est vrai, ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Je vous en prie. Passez une bonne journée, madame. Ok. Avec lequel est-ce que je commence? Je vais un peu goûter celui-ci et voir à quoi il ressemble. C'est presque amer. D'où est-ce que ce bruit vient? Natacha? 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 Que se passe-t-il? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Bébé, tu es réveillé. J'essaie juste de faire un peu de soupe. Pour moi-même. Je te comprends pas. À 2 heures du matin, tu veux faire à manger pour toi? Quel genre de femme es-tu? Bébé, j'essaie... M'appelle pas bébé. Est-ce que tu sais que tu m'as réveillé? Écoute, mais bébé... Je m'en fiche de comment tu vas le faire, mais arrête de faire ça. J'ai besoin de dormir. Voyons. C'est quoi ça? Mais Sean, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de te parler. Alors c'est quoi le problème? T'as l'air énervé. C'est ma femme, mec. Ta femme? Qu'est-ce qui est arrivé à ta femme? Ça remonte à quand la dernière fois que t'as vu ma femme? J'ai rien de cela des mois. Il y a de cela des mois. Très bien. Tu sais, je vais t'épargner des détails. Si tu vois ma femme, actuellement, t'auras honte pour moi. Quoi? Que s'est-il passé? Eh bien, pour commencer, ma femme a gagné le prix de la femme la plus laide du monde entier. Non, c'est pas une plaisanterie. Si seulement tu la vois maintenant, elle a l'air d'un monstre, genre un bébé éléphant. Il faut voir son visage, on dirait un pompé qui est prêt à s'exploser, différent de la personne que j'ai épousée, ma femme que j'ai épousée. Mais mec, c'est être enceinte, qu'est-ce que tu attendais? Elle est enceinte, mec. Et puis quoi encore? Es-tu en train de me dire que j'ai pas vu de femmes qui sont enceintes qui soient belles? J'entends parfois, je suis pas la personne dont tu réfléchis. Parfois, tu parles comme si il y a des choses qui se passent dans ta tête. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui va pas avec moi? Non, dis-moi que ma femme, elle n'est plus belle, elle n'est plus attractive, et je suis pas à l'aise avec. Et toi, tu t'attends à ce que je sois tranquille? Franja, cette grossesse a de l'effet sur elle. Fais avec et vis avec. Tu sais quoi? Je suis pas intéressé par tes conseils littéraires. Ça m'intéresse pas. Oh, c'est ce que tu dis, hein? Ok. Bah, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que tu ne comprends pas ce que je vis chez moi. T'inquiète, je vous laisse. Eh bah, si tu veux partir, va-t'en. C'est moi qui vis avec elle. Tu connais pas de quoi tu parles. J'arrive pas à supporter ça. Qu'est-ce que c'est que cette beauté? Rien à comparer à ma femme. Oh mon Dieu. J'imagine que je vais tenter ma chance, moi, bien sûr. Bien sûr que je vais tenter ma chance. Je la tente maintenant. Ouais, bien sûr. Je vais aller lui parler et je vais faire ça tout de suite. N'y pense même pas. Bébé, je veux qu'on parle. De quoi veux-tu parler? Juste que... tu as changé envers moi. Depuis un certain temps, je ne sais pas si tu as remarqué. Tu ne me montres plus aucune affection. Pas d'embrassade, pas de bisous, pas rien du tout. C'est comme si tu n'es plus l'homme que j'ai connu. Eh ben, t'es plus la femme que je connaissais. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, pour commencer, est-ce que c'est comme ça que t'étais quand je t'ai rencontré? Est-ce que tu ressemblais à cette laide femme quand je t'ai épousée? Je suis enceinte pour l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre? Être enceinte ne veut pas dire que tu ne dois plus être attractive pour moi. Mais tu ne t'attends pas à ce que je sois normale avec ce gros ventre. Ton ventre, je peux comprendre. Qu'en est-il de ton visage alors? Du jour au lendemain, tu ressembles à un monstre. T'as-tu regardé dans le miroir pour voir ce à quoi tu ressembles? C'est la grossesse. Vraiment? Non. Tu ferais mieux de prendre soin de toi et ça, c'est point final. Tu me blesses avec ta manière de parler, tu le sais, n'est-ce pas? Très bien, fais comme tu veux. C'est ainsi que ton ventre grossit chaque jour qui passe. Bébé, je suis fatiguée de pousser cette chose. Je ne savais pas que la grossesse pouvait être aussi troublante. Oh, mais tu vas bientôt accoucher, tu sais. J'ai encore 8 bonnes semaines à attendre. Le Seigneur est ta force. Amen. Je t'ai montré des exercices d'autres jours et on dirait que tu ne les fais pas. Oui, je veux faire des exercices, mais je préfère les faire le matin. Je ne peux plus tout faire par moi-même. Ton mari se plaint pourtant. Pardon. Fermons cette page, parlons d'autre chose. Pourquoi? Rien du tout. As-tu envoyé le gâteau d'anniversaire à Mona Lisa? Je le ferai ce soir. Eh bien, le gâteau est prêt, dis, tu seras là? Sais-tu comment Mona Lisa m'a supplié de venir? Bébé, nous devons aller là-bas pour aller bouger nos corps. Tu en as besoin, ma chère. Ouais. Bien sûr. Eh bien, tout ça, ça dépend de... Attends, je te rappelle. Ça te dit quoi, Franja? Ouais, salut, mec. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Où tu vas? Je rentre à la maison. La femme veut que je sois à la maison très tôt aujourd'hui. Oui. Tu sais que c'est son anniversaire. En fait, j'ai vu sa photo dans les réseaux sociaux. Elle est super belle. Ouais, c'est une très belle femme. Ouais. Rassure-toi de passer une table avec la femme. Bien sûr, ouais. T'inquiète. C'est parti maintenant, Frangin, à plus tard. D'accord. Salut, joyeux anniversaire de ma part. Bien sûr, je le ferai. Ouais. Voilà, comme j'étais en train de le dire, ça dépend de ce que vous allez offrir. Mais c'est du SOP, c'est standard. Bien sûr. D'accord. Je vous rappellerai plus tard. Je vais à l'anniversaire de Mona Lisa. Ok, je m'habille et je te suis. T'habiller pour aller où? Pour que je te suive à la fête. Alors, tu veux me suivre à la fête pour y faire quoi? L'anniversaire de... ferme-la. Tu vois pas ça à quoi tu ressembles? Tu peux pas aller dans une fête d'anniversaire ressemblant à ça. Qu'est-ce que mon look a à voir avec l'invitation que j'ai reçue? Tu sais quoi? Reste à la maison et cherche comment tu vas ressembler à une femme normale. Je vais me rendre dans cette fête d'anniversaire et je veux pas te voir dans les alentours. J'ai pas envie de me répéter. Que fais-tu ici? Je t'ai pourtant dit de ne pas mettre tes pieds ici ce soir. Mais je t'ai dit que je t'ai également invité à cette occasion. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas que je vienne. Je comprends pas. Tu ne peux pas rester ici, rentre à la maison. Rentre à la maison. J'ai dit rentre à la maison tout de suite. Hey, hey! C'est quoi le problème? Reste en dehors de ça. Écoute, j'ai pas envie de me répéter, rentre à la maison avant que je ne change d'humeur. Oh non, tu n'as pas à faire ça, tu embarrasses mon invité là. C'est vraiment cher. Bien sûr, tu dois vraiment arrêter ça. Arrête ça. Sean. Voyons. Tu sais quoi, tiens ça. Où est-ce que tu vas? Toi, tu me verras à la maison. Sean, où est-ce que tu vas? Sean. Ah, je suis si contente que tu sois là. Allons à l'intérieur. Écoute, je suis vraiment désolé pour ça. Sens-toi chez toi, d'accord? Sean! Viens prendre place comme la reine que tu es, car tu es la seule femme enceinte pour le moment, et c'est génial! Oh! N'est-ce pas? Allez, viens, entre, entre. Mais Jonathan, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi le problème? Pourquoi tu fais ça? C'est elle le problème! C'est elle le problème, j'ai dit à cette femme de ne pas sortir ce soir. Et tu vois ce qu'elle a fait? Exactement le contraire, pourquoi? Me manquer de respect? Me désobéir, pourquoi? Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère ce genre de situation. Oh, ce n'est pas comme ça. Si tu étais dans ma position et que ta femme te faisait une chose pareille, ça allait pas te déranger? Bien, ça m'aurait énervé. Mais j'aurais attendu qu'une fois qu'on sera à la maison, pour lui demander pourquoi elle m'a désobéi. Mais la façon dont tu réagis maintenant, mec, ça n'a aucun sens, c'est juste en train de gâcher sa soirée. Dis-moi comment je devais gérer ça. Je te dis qu'une fois arrivé à la maison, je lui demande « Bébé, pourquoi est-ce que tu m'as désobéi ?» Ça, c'est en train de gâcher la soirée, sérieux, je n'apprécie pas ça. Tu sais quoi, Oche, Sean, ne fais pas ça. Bonne nuit. Sean. Sean. Tout le temps se foutre de ma gueule. Me foutre la honte devant tout le monde. Si c'est pas ça désobéir, pourquoi est-ce qu'elle est venue quand je lui ai pourtant interdit? Mes amis étaient présents, mes collègues étaient présents avec leur femme toute belle, toute bien, ayant l'air très heureux, pendant que ma propre femme ressemble à un bébé éléphant. De toute façon, elle va me trouver à la maison. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Et où penses-tu aller comme ça, hein? Retourne d'où tu viens et n'ose plus toquer à cette porte. Le chien... Allô, ma puce? Puis-je venir chez toi? Il y a un problème. Peux-tu voir ce que Sean me fait? Voir ce que Sean me fait. Viens, approche, c'est bon. Du calme, c'est bon, c'est bon. Tu n'as pas besoin de pleurer. C'est bon, du calme. Cesse de pleurer, tout ira bien, ok? Qu'est-ce qui ne va pas chez ce gars? C'est bon, du calme, tu n'as pas besoin de t'infliger ça. C'est parce qu'il arrive. Tout ce que je fais devant lui est mal. Je t'en prie, arrête. Comme s'il ignorait d'où est-ce que je venais. Arrête de pleurer, tout ira bien, ok? C'est bon, du calme. Du calme, du calme. Tout ira bien. J'arrive. Waouh, Mona Lisa. Oui. Je ne t'attendais pas. Est-ce vrai que Sean ne t'a pas laissé entrer la nuit dernière? C'est Tom et son cœur, hein? Comment tu vas? Il est son cœur. Comment a-t-il pu te faire une telle chose dans ton état, hein? Je vais bien maintenant. Tu es sûre que tu vas bien? Laisse tomber, ma sœur. Vas-y, doucement. Je ne fais que manger et manger ces jours. Qu'est-ce que tu manges, fais voir? C'est de la viande que j'ai achetée en retour. Natacha. J'espère que tu ne manges pas en marchant dans la rue. Mais ces jours, j'ai acheté du maïs. Hein? J'espère que tu n'as pas mangé ce maïs dans la rue. Ah, tu l'as fait? J'espère que je ne vais pas devenir grosse. C'est le cas. Tu es belle dans ta tenue. Merci. Écoute, tu dois faire attention à toi, ok? Peu importe ce que ton mari te fait dans ton état, ne le mets pas à cœur. Il est ton mari. Ok? Je fais des efforts. Je sais. Je fais des efforts. Je sais, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en prie. Ne le fais pas. Ne les laisse pas couler, je t'en prie. Fais un effort, à cause de ton enfant. Pour ton futur bébé, s'il te plaît. Je fais des efforts. Je te fais confiance. Ne le fais pas. Je suis vraiment déçu de toi. Moi, j'ai pu faire ce genre de choses. Oche, quelle que soit la façon dont je décide de la discipliner, ça ne regarde personne. Mais putain, pourquoi tu veux la discipliner? Elle a désobéi à mes ordres. Tu veux faire semblant que tu ne connais pas? C'est la raison pour laquelle tu mets ta femme hors de la maison, n'est-ce pas? Ok, on comprend que tu n'as plus du tout des sentiments pour elle. Et qu'en est-il de ton propre enfant? Enfant ou pas enfant? Si ma femme me désobéit ou bafoue mes ordres, je prendrai les mesures pour la discipliner. Tant que cela me concerne, ta femme n'a absolument rien fait de mal hier soir. Alors tu te trompes, monsieur Oti. Sean, disons que tu as demandé à ta femme de ne pas venir à cette fête à cause de ta grossesse. Ça aurait été compréhensible. Mais tu l'as demandé de ne pas venir, tout simplement parce qu'elle n'est plus attirante. C'est tellement injuste et tellement affreux de ta part. Tu sais quoi, Oche? J'ai terminé cette conversation avec toi. En ce moment même, j'ai beaucoup de choses à faire. Peut-être que tu devrais m'excuser. Oh, vraiment? Ok, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, je peux te rejoindre, je ne peux pas dormir seule. Je veux te dire pas, tu peux pas dormir seule. J'ai eu un cauchemar et j'ai peur. Vraiment? S'il te plaît, laisse-moi te rejoindre. Donc t'as osé me réveiller. À cause d'un foutu cauchemar que tu as peut-être fait? Tu sais quoi? J'ai pas le temps pour ça. Rentre dans ta chambre, dors tout seul. Ne reviens pas ici, ne toque plus à cette porte. Dis pas que je t'ai pas prévenu. Retourne dans ta chambre maintenant. Mais je... Natacha, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu te comportes comme ça dans cette maison? C'est quoi mon offense cette fois? La boîte de lait que j'ai achetée il y a quelques jours, tu l'as vidée. Je te comprends plus du tout là. Tu n'apportes rien ici, mais tu gaspilles tout dans la maison. Premièrement, je ne gère rien mal dans cette maison. Et cette chose dont tu parlais, elle est dans cette maison, ça fait 2 semaines. Tu la fermes maintenant. Tu veux dire que je sais plus de quoi je parle? Et même si c'est 2 semaines, t'es pas censé le finir pendant 2 semaines. Je ne suis pas la seule personne à utiliser le lait dans cette maison. Toi aussi, tu le fais. Tu l'as fermé. Combien de fois j'ai pris du lait? Tu sais quoi? Je n'achète plus de lait dans cette maison. Si tu veux tellement boire du lait, et tu laisses ton argent pour en acheter. Oh, putain. Non mais regarde-toi. T'es assise là, à ne rien foutre, couchée et à branler pendant que la maison est en désordre. Allongée sur le canapé à ne rien faire, Sean, j'espère que tu n'es pas aveugle. Hein? Qu'est-ce que t'apportes ici? Dis-moi, qu'est-ce que tu apportes dans cette maison? Rien du tout. Ne demande plus jamais à une femme enceinte ce qu'elle apporte à la table. Parce que même avec cette grossesse, je cuisine pour toi, je fais ta lessive, je nettoie cette maison. Et même si quoi que ce soit devait m'arriver à cette grossesse, tout ce que tu fais c'est te plaindre, rien d'autre. Natacha, écoute-moi. Non, toi, écoute. Ne demande plus jamais à une femme enceinte ce qu'elle met sur la table. Porter ton enfant pendant 9 mois n'est pas assez. Tu connais les douleurs que je dois surmonter, tu les connais. Et tous les jours tu es là-haut, à dormir tranquillement. Je suis fatiguée. Tu ne te soucies même pas de quelle position de sommeil est bonne pour moi. J'affronte les migraines, les maux de tête. Et je suis totalement en train de faner. Et tous les jours, ce que tu trouves à faire, c'est de me dire comment je ne suis plus attractive. Assez de quoi, Sean? Assez de quoi? Tu t'imagines même la douleur du travail? Sais-tu que les femmes meurent sur les lits d'accouchement? Ne sais-tu? Ne me demande plus jamais ce que j'apporte à la table quand je porte ton enfant dans mon ventre. Jamais. N'essaie plus jamais. Sean. 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 John. Natacha. Natacha. Tu vas bien? Je saigne. Essaie de te lever. Essaie de te lever. Je t'apporte un verre d'eau. Je t'amène à l'hôpital tout de suite. Attends, je t'amène. t'en prie, Natacha, tiens bon, tiens bon. J'appelle un médecin, je t'amène à l'hôpital tout de suite, attends. Félicitations, monsieur. Votre femme a mis au monde une magnifique fille. Ouais. Est-ce que je peux aller la voir maintenant? Oui, vous pouvez entrer. Félicitations. Yeah, so kindly arrange your special table on the box. Yeah, thank you. Bienvenue dans la paternité, mon frère. Je te l'ai dit, mec! Qu'est-ce que c'est super, ça! Je t'ai dit qu'elle allait nous rejoindre. Je vais te rejoindre, et me voilà! Je suis vraiment content pour toi, mon frère. Merci. Je suis vraiment très content. Et comment va le bébé? Eh ben, elles vont bien, elles vont bien. Il y a quelques minutes que ma femme m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle aussi. Ah, c'est bien. Et qu'est-ce que nous partons voir le bébé? D'accord, c'est comme tu veux. Je veux dire, où est le champagne? Ouais! Oh, oui, à propos de ça, j'ai préparé quelque chose de spécial. Ne me dis pas. Je veux pas savoir. Ne me dis pas. Tu te rappelles de Bossland? Ne me dis pas ça. De Bossland. Je gère la facture, je gère la facture, mec. Tu me fais pas confiance. Non, 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 c'est mon enfant. Je t'ai eu. C'est mon enfant. Je t'ai eu, mon frère. D'accord, d'accord. Je suis très content. Si tu le veux. Mon gars. Merci, merci. John. Extraordinaire. Oh, je suis tellement content. J'ai l'impression que le petit être qui est en moi est en train de grandir, tu vois. Ouais, tu connais. Maintenant, tu comprends que je me sens libéré. C'est tellement bien. Un père A pour son enfant. C'est quelque chose que tu peux pas expliquer. Incroyable. Bienvenue. Merci. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oh. Très content. Alors, on y va? Ouais, donc, je crois que c'est la pause, hein. Elle s'est finalement endormie. Oh, finalement. C'est tellement adorable. Merci. Tu dis que ton mari a dit quoi au sujet de ta mère qui vient te voir? Je ne sais pas. Je le lui ai dit et j'ai regardé ailleurs. Je m'en foutais de sa réaction ou de sa réponse. Comment les gens peuvent juste changer du bien pour le mal en un laps de temps? Pourquoi les hommes sont-ils ainsi? Ma chérie, tu vas me donner les maux de tête si tu continues de parler de Sean. Je suis vraiment désolée, chérie, mais j'essaie juste d'aider. Je suis impatiente que ma mère arrive pour qu'elle m'aide avec le bébé afin que je puisse avoir un peu de temps pour moi-même en salle et retrouver mon corps. Travailler? Est-il conseillé pour toi de travailler quand tu allaites? Le docteur a dit que c'est allé. J'espère seulement avoir la force et le courage pour effectuer ce nouveau projet. Bien sûr que tu le feras, tu es trop forte. Je l'espère. Je suis impatiente de la porter. Oui. Salut, toi. Waouh, 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 quel changement de look. Bonjour. Oh mon Dieu, c'est la femme que j'ai rencontrée et dont je suis tombé amoureux. T'es tellement ravissante, mon cœur. Bienvenue à la maison. Allez, approche, 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 mon cœur. T'es tellement belle. T'es infiniment belle. Et tellement belle encore. Merci. Montons à l'étage, bébé. Hein? Mmh. Voyons, bébé, attends-moi. Bébé, attends-moi. T'es super magnifique. Je t'aime en noir. Oui? Est-ce que je peux entrer? Pourquoi? Chérie, écoute... Comment viens-tu de m'appeler? Allez, quoi, t'es toujours ma femme. Oh. Je t'appelais chérie, y a quoi de mal en cela? Je voulais me rassurer de t'avoir bien écouté. Ça fait déjà un moment que toi et moi, on ne dort pas ensemble en tant que mari et femme. Alors je me disais que... Si c'est pour le sexe que tu es là, je suis désolée, je ne peux pas te le donner. Pourquoi? Je ne suis pas prête pour ça. Mais ça fait plus de 7 mois que t'as accouché, je veux dire. Pourquoi je ne suis pas encore prête pour ça. Bonne nuit. Voyons, Natacha, tu vas pas... Natacha! Et ça, c'est notre histoire. Je ne veux plus faire face à cette horreur. Il a dit beaucoup de choses. Et franchement, elle m'a donné la raison pour laquelle elle ne veut plus être enceinte. Alors, as-tu dit cela à ton ami? Encore. Pourquoi? Je me souviens quand j'essayais de le prévenir que de la façon dont il m'a traité sa femme. Que ça n'avait aucun sens quand je disais, à ce stade de leur relation. Et aussi de la façon dont il a choisi de discipliner sa femme. C'est ses affaires. Et alors? Alors qu'il porte sa croix. Ok, c'est bon. Ouais. Laisse-le porter sa croix. Mais te souviens-tu quand je t'ai dit que Natacha pourrait avoir une relation? Et tu t'es disputée avec moi. Hein? Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Bien, bien. Et bien... Bien, je savais que tu n'auras rien à dire contre Kobia. Ah! Oiseau de mauvais augure. Vas-tu la fermer? T'es-je maltraité quand tu es enceinte de moi? Ah, tu me poses cette question, Oche? Hein? M'as-tu traité comme la reine que je suis? T'es une reine? Oh, je ne suis plus ta African Queen? Hein? Reine africaine, je ressemble à Two-Face pour que tu sois ma reine africaine? S'il te plaît, laisse ça, laisse ça. Oche, parce que je t'ai donné 4 magnifiques enfants, c'est pourquoi? Tu penses que tu es arrivée, tu as fini avec moi. Je ne suis plus ta African Queen. Sans problème. Attends une minute, Oche. Non, attends une minute. Hein? Alors tu ouvres ta bouche, waouh, comme un robinet pour dire n'importe quoi. Tu oses me le cracher sur le visage que je ne suis plus ta African Queen. Je ne suis plus ta African Queen, n'est-ce pas? Sans problème, Oche. Oche, j'ai dit sans problème. Il n'y a pas de problème, on verra. C'est le problème que j'ai avec toi. Tu es en train de vociférer et tu parles beaucoup. Hé, je parle assez, n'est-ce pas? Maintenant, tu me traites de parlotte. Alors je suis devenue une folle. Je suis devenue folle. Oche, je te parle. Oche, réponds-moi. Oche, je te parle. Je te montrerai comment se comporte une folle. Je te montrerai comment agissent les folles. N'importe quoi. Oche, je te parle. Où vas-tu? Oche. Oche, je te parle. Reviens ici. Laisse-moi te montrer comment se comportent des folles. Oh, tu m'enfermes dans la maison, Oche. Ouvre cette porte. Oh, c'est pas possible ça. Des merdes. Seigneur, quel genre de femme as-tu donné? Les plaintes, matin, midi, soir, les plaintes. J'ai besoin de boire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui appelle? Ouais, Sean, ça dit quoi? Bien, je m'attendais à ce que tu me fasses un rapport. À propos de quoi? T'as dit que t'allais parler à ma femme. Alors, comment ça s'est passé? Écoute, Sean. Franja, tu dois vraiment te calmer. Et être vraiment patient, ok? Tu t'es mis toi-même dans une énorme pression. Écoute, Oche, je suis pas prêt à écouter ton serment, d'accord? Dis-moi simplement comment ça s'est passé, comment était la réunion? Oui, on en a parlé. Oui, mais je ne peux pas en parler maintenant parce que... on en parlera de fond en comble demain, d'accord? Ok, d'accord. Passe une bonne nuit. Salut. Salut. Je suis allée à un entretien à Chris Link et j'ai eu le job. D'accord, et pourquoi tu me dis ça? J'ai obtenu... un job lucratif dans une entreprise réputée, ce n'est pas une grosse affaire pour toi? Non. Mon plus gros souci, c'est que tu me dises que t'es enceinte. Je veux des enfants, et je te le dis toujours, je veux des enfants. Quand tu seras prêt pour ça, fais-le-moi savoir. Qu'est-ce que c'est un test de grossesse? Les papiers du divorce. Quoi? Je veux que tu les signes. Les papiers de quoi? Papiers du divorce, Sean. Je veux que tu les signes, je ne suis plus intéressée par ce mariage, je veux un divorce. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Sean, je ne peux pas revenir sur les choses horribles que j'ai traversées chez nous quand j'étais enceinte. Signe ces papiers du divorce et chacun prend sa route. Non, Natacha, ne fais pas ça. Excuse-moi. Natacha, ne fais pas ça. Je sais que je t'ai fait du mal, de toutes les manières. Je sais que j'ai pris des décisions qui t'ont blessé. Je sais que je t'ai causé du tort. Et c'est la raison pour laquelle je suis là, pour demander ton pardon. Non, il ne s'agit pas du pardon. Je t'ai pardonné. pour tout, spécialement pour ma santé et ma paix d'esprit. Je t'ai pardonné, juste que je ne peux plus continuer à vivre avec toi en tant que mari et femme à cause de qui tu es. Qui je suis? Tu es un homme qui est juste avec moi à cause des regards. À cause de ma beauté, tu ne me valorises pas. Je ne suis rien à tes yeux. Non. Non, c'est pas vrai. C'est un fait et pas une opinion, alors n'essaie même pas de débattre dessus. Natacha, est-ce qu'on pourrait au moins essayer de faire fonctionner les choses? L'étape de la conversation est passée, Sean. Nous l'avons traversée. Je veux juste que tu signes ces papiers afin que je prenne mon chemin. De toutes les façons, je n'aurai plus besoin de ça. Merci. Je suis fatigué, mec. Je suis fatigué. J'ai tenté de toutes les manières de la dissuader de faire ce qu'elle veut faire, mais elle continue. Je l'ai supplié. Tous mes efforts sont vains. Émotionnellement et mentalement, ça me réduit à terre. Alors pourquoi est-ce qu'elle demande un divorce? Oh, elle dit que je l'ai maltraitée pendant qu'elle était enceinte. Je t'ai prévenu, Sean. Oui, je t'ai prévenu. Je ne faisais que te le dire, mais tu disais que je dois rester hors de votre mariage. Oh, ce que tu peux faire pour moi, c'est de parler à ta femme. Dis-lui de parler à ma femme. Tu sais que ma femme l'écoute beaucoup. Elle la respecte assez. Sean, ma femme et moi, nous ne mêlerons pas de votre mariage. C'est toi-même qui as causé tout ça. Donc, fais avec. Voyons, mec, on est censé être amis. Désolé, frère. Tu vas me laisser gérer ces situations toute seule? Bien sûr, monsieur Sean. Et Sean, tu dois rentrer à la maison et affronter ton mariage tout seul. Oh oui, si ta femme dit qu'elle ne veut plus de ce mariage, alors laisse-la partir. Chérie, ai-je raison? Bien sûr. S'il te plaît. Ne nous implique pas, mon mari et moi, dans tes problèmes. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît. J'ai choisi sa beauté au lieu de sa personne. J'ai choisi sa beauté par rapport à sa vie. J'ai choisi sa beauté par rapport à l'humanité. Je peux pas la blâmer pour me demander le divorce. Je l'ai causé. Et maintenant, je dois vivre avec les conséquences de ma folie. Bienvenue. Ouais, merci. Comment vas-tu? Bien. Et comment va mon bébé? Elle dort. Natacha, est-ce qu'on peut parler? Bien sûr. Je vais signer les papiers de divorce. Si cela te rendra heureuse. Et je ne te tiens pas à rigueur. C'est pas de ta faute. La faute me revient totalement et je regrette tout ce que j'ai fait. Et je tenais également à te dire que je serai éternellement reconnaissant et heureux que je t'ai eu une fois dans ma vie. Alors voilà. Attends. Oche est venu. Il est venu et nous avons parlé du divorce. Et si je restais dans ce mariage? Mais nous ne parlerons plus de tomber enceinte ou d'avoir d'autres enfants. Est-ce que ça t'arrange? Oui. C'est un plus que oui pour moi. En fait, je ferai tout pour qu'on reste ensemble dans ce mariage. Oui, c'est absolument d'accord pour moi. Ok, je vais rester. Es-tu sérieuse? Ah! Merci beaucoup. Merci. Si ça te dérange pas, est-ce que je peux remettre cette bague sur ton doigt? Est-ce que tu portais ça partout où tu allais? Eh bien, c'est vrai que je l'avais tout le temps. Montons dans la chambre. Attends, je vais te montrer quelque chose. T'inquiète pas, laisse le sac. Comment était le boulot aujourd'hui? Allez, viens, on y va. Oh. Tu sais quoi, mec? Je suis tellement reconnaissant. T'étais super, tu sais. Pour tout ce que t'as fait pour moi, merci. J'ai fait ce que j'avais à faire, Ferro. Ouais, ouais, et je t'en dois une. Vraiment, je t'en dois. Alors, plus d'enfants pour toi? Eh ben, c'est ça, quoi, ça ressemble. C'est ce que tu voulais? Je suis pas sûr, mais c'est pas comme si j'avais trop le choix, tu sais. Je veux vraiment garder ma femme. Je l'aime tellement, je veux garder mon mariage. Je veux que tout marche. Et de plus, je ne veux pas que toi et les autres personnes me regardent en me disant « Tu sais pas ce que tu as. » Parce que maintenant, je sais ce que j'ai. Et j'ai pas envie de perdre ma femme. Tu sais, je suis content que ça sorte de ta bouche. T'inquiète pas, ce soir, quand on se verra au bar, je vais te mettre à une école où on apprend les règles du mariage, hein? Oh, oh. Ah, et devine quoi? C'est une passion de réussir. Tu dis bien, tu auras le diplôme. T'inquiète pas, je vais gérer. Elle était bonne celle-là. T'inquiète, t'inquiète, tu auras le diplôme. Non, 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 t'inquiète pas. Je pense que le directeur général est dans les parages. Ouais, j'imagine. just wanted to see if you're fine. If you're okay. I'm fine. Oui, bien sûr. Oui, envoie-le dans mon bureau tout de suite. Je veux un rapport complet. D'accord. Merci. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Je suis encore enceinte. Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Salut, bébé. Bébé, je connais ce sentiment qui t'anime quand on sent que t'es enceinte. Je veux juste t'assurer que je suis quelqu'un qui a changé. Et je suis avec toi dans chaque pas et chaque obstacle qui nous fera face. Je le dis du plus profond de mon cœur. Plus jamais je ne t'abandonnerai. Je le promets. Merci. Je l'ai dit, elle a besoin de votre attention, de votre soutien et de votre amour. Tout ça contribue pour l'avancement d'une bonne grossesse. Ok, docteur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Prenez soin d'elle. Merci. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Docteur. Au revoir. Infirmière. Docteur. S'il te plaît, apporte-moi le cornet quand tu auras fini. Okay. Dans mon bureau, d'accord? Ok, docteur. Qu'est-ce que tu fais? Salut, mon ange. Comment va, mon bébé? Mais on va pouvoir être calme maintenant. J'imagine. Bref, je cherchais une opportunité pour te remercier. Pourquoi? Pour tout. Je t'en prie. Te souviens-tu ce cadeau de grossesse que je t'avais promis? Ça, c'est il y a des années. Ouais, je sais. Eh bien... voici une SUV toute neuve. Elle est garée là-dehors. Et voici la clé. Elle est à toi. C'est dehors actuellement? Elle est dehors, tu peux aller vérifier. Merci, bébé. Es-tu sérieux? Ouais, bébé. J'ai ma propre voiture maintenant. Tu sais que tu mérites plus que ça. Merci. Sean. Bébé, merci de m'avoir toléré. Merci pour avoir été là pour moi. Merci d'être mon pasteur. Et le plus important, merci d'avoir permis qu'on ait de merveilleux enfants et une merveilleuse vie. Je t'aime. Merci à toi.